Eh bien, salut tout le monde, c'est Patisman et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de Ragnablock. Donc aujourd'hui, je vais déjà vous présenter le tunnel que j'ai terminé. Enfin, je dis pas à quel point j'en ai chié pour le finir. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris 2-3 jours. Mais au moins, je l'ai bien fini. Je suis content. Donc ça, je pense que je vais le changer. Je voulais votre avis d'ailleurs. Est-ce que ça, je l'enlève comme ça? Et je le laisse juste avec ça. Ou je le laisse parce que je trouve que ça fait pas très beau à la limite, même s'il marche sur le chemin comme ça, c'est déjà beaucoup mieux quoi. Moi je trouve que c'est mieux comme ça. Je vous demande votre avis, vous me direz dans les commentaires si jamais. Et écoutez, le chemin il est complètement fini. Voilà. J'ai mis des lampes partout sur les côtés aussi. Pour éviter qu'il y ait trop de spawn de pigs. Qui spawn quand même un petit peu quand même du coup. On est vite arrivé, hein, vous allez voir. Il y en a un petit ici, mais c'est tout, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un assez gros projet, celui que je vous parlais la dernière fois. Voilà, j'ai terminé jusque-là. Là, il manque juste une petite lampe ici, et puis voilà. Puis on fera ça un peu plus tard, là. Aujourd'hui, on va s'attaquer à autre chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. De retour à la base. Voilà. Donc j'ai été un petit peu miné. Voilà, j'ai un beacon aussi au passage. Je vous le dis. Tac, je vais ranger ça. Un bus qui passe. On va voir le bus. Il va y en avoir plusieurs, à mon avis, d'ici qu'on a fini l'épisode. Alors, ce que je vais aller vous montrer, bah voilà, j'ai déjà rangé un petit peu tous les coffres comme il faut. On va dormir, on peut pas. Il y a des monstres à proximité. Ah, sûrement en dessous. Wow, c'est pas très grave. De toute manière, j'en ai pas besoin pour vous montrer pour l'instant ce qu'il y a. Alors, j'ai été miné un petit peu de d'argile durcie. Voilà, donc j'ai encore vraiment pas mal. Et aujourd'hui, on va s'attaquer vraiment qu'avec la marron. Donc c'est cool, on a pas mal du tout, du tout. Voilà, je peux dormir. Voilà, je voulais pas le S là, c'était moche. C'était moche. Voilà. Donc, on va s'attaquer à l'arbre géant. Donc, il va nous prendre pas mal de temps. J'en ai conscience. Mais il faut qu'on le fasse de toute manière et puis on va le commencer. Ça, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Même si j'ai aucune idée comment je vais le faire. Mais... Enfin, j'ai déjà une petite idée, mais pas non plus énorme quoi pour l'instant. Alors, je vais le faire ici, l'arbre. Ici, parce que c'est une zone assez plate. Et puis, bah, comme tout bon arbre, on commence toujours par le tronc, enfin par le bas du tronc, les racines plutôt. Donc, moi, je vais plutôt le commencer comme ça. Voilà. Pour l'instant, je regarde à peu près comment j'aimerais le faire. Hop. Je veux pas qu'il soit totalement symétrique, donc on verra bien. Hop. Alors voilà le tronc. Alors, toujours faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je construis de toute manière. J'ai gardé une pioche sur le côté là. Toujours être utile. Voilà, nickel. Touc, touc. On va faire pareil. Fait une base en hein, toute manière. Vous voyez que là ça m'a déjà demandé un stack de d'ordnance clé quoi, c'est un truc de malade quoi. Donc il va vraiment falloir des tonnes et des tonnes. Hop, on fait notre petite base. Alors il y a ML2G qui a rejoint. Yep. Tac tac tac, j'ai été ici. Peut-être un peu plus prononcé comme ça. Ça va. J'ai un cœur. Hop. Alors, ensuite, on peut partir comme ça.
Donc, j'ai toujours laissé un petit bloc d'espace comme ça. Sauf ici. Ça se trouve, là, bon, on sera peut-être un petit truc dedans, on verra. Alors, attends, je recadre, j'ai bien ma souris. Tac, 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 tac. Je fais au mieux. Je trouve que c'est plus beau avec de l'hardened clay qu'avec du bois pur. Enderman. Tac, 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 tac. Alors pour l'instant, ça rend comme ça. Donc, c'est une base, bien sûr, faut pas l'oublier. Après, il y a tout ce qui en suit. Alors, là maintenant, je vais commencer à partir un peu plus haut. Donc, j'aimerais bien faire un arbre. Qu'est-ce qu'il fait l'Enderman? J'aimerais bien faire un arbre qui se prononce sur un côté. Donc, toi, tu vas dégager tout de suite. Voilà. L'Enderman, là où il commence à me saouler. Qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce qu'il fait? On va le laisser dans ses conneries. Hein. Il me stresse en plus. Alors ce que je veux faire en fait, c'est commencer à monter un peu. Putain, il est bizarre. Je vais commencer à monter un petit peu du côté là. Donc je vais commencer tout de suite. Saoule. Il est où? Tu reviens plus. Hein. Alors ça va monter un petit peu en arche ici. Casse-toi. Juste le dégager en fait. Alors voilà. Ensuite ça va bien monter. Enfin bien monter. Ça va monter de 3. Ensuite on va le raccourcir de 2. Et puis le remettre. Pareil mais à 2. Je sais pas s'il sera creux ou si je vais le remplir l'arbre. Ça fait un peu bizarre, non? Ah, ça fait bizarre parce que j'ai pas encore fait les autres faces en fait. C'est. À mon avis, ça va rendre un truc normal, mais. J'ai pas encore assez prononcé là. Tac tac. Voilà. Moi je trouve que ça rend mieux comme ça. Pour moi, il manque juste un de largeur comme ça. Voilà. Ça, là, je peux commencer à monter. Allez voir qu'au début, ça rend toujours bizarre un arbre, et puis à la fin, nickel quoi. Ah, si, en fait, ça c'était bien. Hop. Bon, en fait, ça va, hein, j'en ai quand même pas mal de l'ordinateur clé. Je pense que ça ira quand même. Là aussi, il faut que je continue un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà, là, c'est nickel. Et là, du coup, tac, tac, tac. Si on va laisser juste un espace. Et voilà. Voilà. Donc là, on a déjà notre premier contour qui va monter de 1 encore. Enfin, de 2 même. Ouais, de 2.
Pour vous dire, j'ai aucun modèle, hein, donc il se fait un peu au freestyle. Voilà. Parce que là, en fait, ça va monter, hop, ça va se raccourcir, tac, comme ça. Et ça va se déployer un petit peu plus haut, comme ça, tac, tac, tac. Et puis là, en fait, ça va faire, hop. Et puis là, ça va se déployer. Voilà, comme ça. Je vais monter par l'autre côté. Faut pas que je commence à mettre des blocs partout, parce que sinon, ça va pas le faire. Il y a un creeper, là, je crois. Non? Non, d'accord. Vous savez comment le temps, il passe vite? Attends, on est au 21 20 21 512e jour. Rien que ça. Hop, du coup là, je vais grimper. Comme ça, oui. J'espère que ça va rendre bien parce que j'essaie quand même de me concentrer pas mal sur ce que je fais là. Donc là, c'est comme ça. Hop. Comme ça. Comme ça, c'est ça, tout à fait. Alors, est-ce que de 1 ça serait déjà pas mal ou... Ouais, de 1 comme ça. Ok, je t'invoque. Plutôt que poser des blocs, je vais les casser en fait. Moi, je serais sûr de pas me tromper. Puis là, on va commencer à bien le déployer. Tac. C'est un premier gros build de mon île en fait, parce que pour l'instant j'ai pas de maison. D'ailleurs, ma maison spawn, j'ai tout ramassé ce qu'il me fallait pour la faire, j'ai plus qu'à la faire. Donc vous inquiétez pas, je vais la faire aussi, mais pas en vidéo normalement, parce que je lag un petit peu trop. Si je lag pas trop, je ferai quelques séquences, et puis je vous passerai ça tranquillou. Mais sinon c'est mort. Hop, tac, faut commencer un petit peu l'île du plaisir. Ça sera le point central, ça sera l'arbre. Et puis toute la suite après. Donc au pied de l'arbre, ça sera un petit peu. Enfin, vous verrez, on fera ça plus tard. Ça va être chiant parce qu'il va faire nuit et j'ai pas pris de potion, genre de la night vision, un truc comme ça. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, parce que là, il est déployé tout. Vous savez quoi, en fait, on va descendre. Puis on va aller dormir. Cas où. Des monstres. C'est lui là-haut? Non, il est trop long. Voilà. Si je laisse la porte ouverte, j'ai l'impression que ça marche. Peut-être parce qu'il a chaud, hein. Le temps il fait chaud. Je sais pas. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ML. Ah bah non, c'est vrai que je peux pas dormir aussi facilement. Bon, mais écoutez, c'est pas très grave. Par contre, je vais juste me recharger bien en Ardened. Voilà, nickel. Procile les racines dans le sol après. Je vais monter comme ça.
Bah ben non. J'ai eu un message Skype, vous inquiétez pas, c'est rien. Rien de très important en tout cas. J'ai bien fait d'aller enminer la masse quand même, hein, l'art de Nestlé. C'était juste, hein. Alors là maintenant on va déployer un petit peu les branches. Donc franchement ça c'est rien de compliqué, mais vraiment rien du tout. Parce que bien sûr après il y a les feuilles. On fait que le tronc et les branches. Voilà. Ensuite, on va partir par là. Bon, c'est ça un arbre, hein, c'est plein c'est pas de symétrie, il n'y a pas de symétrie dans un arbre. Faut savoir ça, c'est un arbre, faut pas se dire, ah bah tiens, je veux qu'il soit comme ça mon arbre, sinon ça va être moche, ça va faire les arbres Minecraft, quoi. Je dis pas que les arbres Minecraft après ils sont super moches, mais voilà quoi, il y a 10 fois mieux. On va peut-être faire partir une branche sur le côté. Vous voyez, il y a masse mob quand même. Juste elle qui me fait peur. Casse-toi, c'est bon. Ouais, tu vas crever de feu. Voilà, nickel. Alors, on va toujours partir comme ça. Zombie. Tant que c'est qu'un zombie, ça va. Faut juste pas qu'il spawn en haut là et qu'il me pousse, ça me ferait chier un petit peu. Ça va, c'est assez haut. Là, je fais les branches de côté, mais aussi les branches d'intérieur, hein, bien sûr. J'avais parlé de mon arbre géant, mais il n'est pas si géant que ça non plus. Il est juste plus grand que la normale, quoi. C'est pas un arbre en bois, surtout. Par contre, j'espère qu'il spamme pas trop Skype. Ah, ok, c'est juste Fonzie. Donc ça va. Voilà. Avec le temps, on passe quand même assez vite. Enfin, si vous êtes intéressé, bien sûr. Parce que bien, ça, c'est beaucoup de builds. Hein. C'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Souvent, les builds, je les fais hors cam. Il faut en faire de temps en temps. Alors, attendez. Ça, comme ça. Ok. Juste regarder un truc. Ok. Très bien. Là. Puis on va faire partir encore une branche. Comme ça. C'est vraiment pas des choses que j'ai l'habitude de montrer, hein. Ça se voit parce que je parle pas trop, alors que quand je fais de l'exploration ou quoi, j'aurai plus de tchatch. Et là, que vous dire à part que je pose des blocs, quoi, c'est ça le truc. Je sais pas vous expliquer, bah tiens, faut mettre une branche là, puis là, puis là. C'est aucun intérêt. Hop. Suis quand même content d'avoir fini mon couloir Nether, parce qu'il m'a pris un peu de temps et j'étais quand même pressé de le finir. Ça, c'est sûr, par contre.
Je voulais pas tomber à la base, hein, mais en même temps ça me permet de voir. Et ça rend plutôt bien, c'est ce que je voulais. Après, il y a quelques modifs à faire sur les côtés, hein. What? Bon, juste prendre l'épée parce que... Ah! Ma touche, elle a bugué! Ah, tu dégages. Ça dégage, ça dégage. Ça dégage, j'ai dit. Ça me saoule parce qu'ils viennent par tous les côtés. Là, si je veux, je peux avoir une armée de villageois. Hein. Ça arrête que dalle. Mais... Ça va être le matin de toute façon. Et ben écoutez, on va faire les petites finitions, les racines, et puis on va se laisser là. Je pensais que ce soit le matin parce qu'ils commencent vraiment à me saouler ces mobs par contre. Il va vite lui. Ah mais c'est le l'Enderman de tout à l'heure celui-là. Alors les finitions. C'est pas encore assez clair, je vois pas beaucoup. Hop. Tac, les petits trucs comme ça, hein, je veux changer. Là, c'est trop carré. Je veux que ça fasse le moins carré possible en fait. Eh, hey, tu crames comme les autres, mon gars. Cherche même pas à t'abriter. Normalement, il devait crever, mais bon. Bon, je croyais qu'il allait avancer, mais non. Bon. Alors voilà. J'enlève tout ce qui est trop carré à mon goût. Mais franchement, l'heure de mes clés, j'en avais largement assez. Je pensais pas, hein, mais... En fait, je voulais pas le faire trop grand. Je voulais pas le faire trop gros. Je vais juste le faire comme ça, en fait. Il est juste nickel. Ça, je vais peut-être le laisser juste pour monter quand je mettrai les feuilles. Puis là, on va mettre les racines. Faut juste virer. Petite herbe là qui fait chier. Voilà, dégage tout. Faites les racines, c'est vraiment aussi. C'est comme ça vient, quoi. Parce que le sol là, il y aura encore autre chose en fait. Bien sûr, ma pelle là, elle est beaucoup trop puissante. Donc, ça c'est chiant aussi. Donc voilà, les racines, ça va être comme ça, hein, ça va pas être très compliqué. Poser tout comme ça, j'aurai un peu de terre aussi. Hop, je vais de la terre, moi. Il me donne tout sauf de la terre en fait. Voilà ma terre, nickel. Voilà les petites racines, tranquillou. Là.
verrez que votre arbre derrière chez vous, il est jamais totalement symétrique, donc les racines avec. Hop. Donc là, on peut déjà la mettre si je creuse en dessous comme ça. Tac, 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 tac. J'ai carrément tout pété. J'aime bien faire les racines comme ça, moi. Je trouve ça sympa. Tac, et on va partir encore un peu plus là. Comme ça. Voilà. Écoutez, on est plutôt bon hein, sur l'arbre. Il n'y a plus qu'à tout mettre. J'ai quand même cassé ça parce que ça fait moche. Plus qu'à tout mettre la verdure autour. Donc la verdure sera de l'ardennette clé verte. J'adore ce truc. Ça me fait ça même quand je coupe des arbres, donc je suis tout le temps comme ça. Ça, c'est simple. Allez, on casse tout. Hop, 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 hop. J'ai cassé ça sans le vouloir. Juste le reposer quand même. Voilà, je récupère ça quand même parce que c'est précieux. Et puis les amis, on va prendre le petit screen. Et puis, on sera plutôt bon. Voilà. Nickel. Voilà. Ben écoutez, c'est sur ce petit arbre que s'achève l'épisode. Donc, enfin, ce tronc d'arbre. Donc, il y aura juste peut-être les coins là à enlever. Et puis voilà. Donc, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Ragnablock. Allez, bye bye!